この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Alors c'est drôle, on aurait pu croire que la musique allait commencer différemment sur une musique beaucoup plus connue, mais en fait, pas du tout. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Rally Fusion Race of Champions Gran Canaria sur PlayStation 2, un jeu de rallye que nous allons découvrir ensemble du coup, avec, vous le comprenez, voilà, donc avec la licence Race of Champions. À l'époque où on n'était pas encore sur des stades, on était un petit peu en plein air, et notamment aux Canaries. Vous pouvez voir qu'on a donc plusieurs modes de jeu, on a le Race of Champions, on a le démarrage rapide, donc on peut essayer des modes de jeu à part, ce que nous allons commencer à faire pour le moment. On a un Challenger ROC, donc embarqué pour des aventures épiques qui vous conduiront aux quatre coins de la planète à mesure que vous entrerez dans la légende. On a le mode championnat personnalisé qui n'est pas débloqué, on a les options, les records et les séquences. On va voir les options. On a les options au niveau du son, les effets sonores, la voix, la musique. C'est tout en fait, je pensais qu'il y avait autre chose. Les options pour centrer l'écran, la sauvegarde de données, la sauvegarde auto, et après les volumes sur les côtés. Le menu est assez particulier d'ailleurs, je trouve, au niveau de sa présentation. C'est un style, hein, pourquoi pas. On va donc commencer directement avec un démarrage rapide. On peut donc créer plusieurs profils, on peut choisir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs si vous voulez. Alors évidemment, pourquoi pas jouer à vite comme ça, hein. C'est juste des profils. Donc du coup, on a un mode Race of Champions, donc ça c'est la compétition officielle. On a un mode rallye, tout court. Et il faut tenter de battre le temps des concurrents. Ensuite on a le rallye cross, donc on va se battre contre eux en même temps. Ensuite on a un mode circuit, contre le concurrent. On a un mode contre-la-montre qu'on pourra tester. On a une course de côte qu'on n'a pas débloqué pour le moment. Le course de côte extrême. On a le mode point de contrôle. Le mode élimination. On a un poursuite du leader. On a un mode challenge. Décidément, il y a énormément de modes, hein, vous en rendez compte. Négocier un parcours en plus des preuves adresses et battez les temps de vos concurrents. Un mode relais. Concourez contre un rival en changeant de véhicule à chaque tour, ça c'est pas mal. Tournée mondiale, test d'endurance extrême, parcourir le niveau de rallye les uns après les autres pour battre les temps de vos concurrents. Et enfin, le tournée mondiale extrême. Décidément, énormément de modes de jeu, j'aurais jamais vu ça. Hein. Même dans un Destruction Derby, on n'a pas autant de modes de jeu. Je vous propose juste de commencer un mode contre-la-montre rapide, enfin, pour au moins s'entraîner. Donc on a plusieurs tracés, vous pouvez voir que certains sont débloqués, d'autres non. Bon, il n'y a pas de licence hein, niveau du tracé, là on est en Arctica, donc c'est juste dans la neige. Ensuite on a le Desert Heat 2, le Inca Route 1, Desert Heat 1, voilà ce qu'on a pour le moment. On va par exemple tester le 2, voilà, de toute façon je pense qu'on aura dessus. On a des voitures, alors je pense que c'est des voitures pseudo-officielles dans le sens où c'est quand même des vraies voitures, vous voyez que c'est quand même la bonne 3D. Il y en a plusieurs classes de véhicules, on est en classe B. Et on a aussi voilà, des Peugeot 306 qui n'est pas débloqué. On a la Lancia Delta Integral. Vous allez voir, il y a même des licences avec des pilotes connus. On a aussi donc la Seat Cordoba qui est débloqué pour le début. On a l'Audi Quattro S1. Ah, on a toutes les groupes B, hein. Ça fait plaisir quand même.
On a l'ancien Stratos, on a même la Saab 9-3, et vous allez voir, on peut même conduire dès le début des classes A, donc la Lancia 037 et l'Opel Manta. Donc voilà tous les modèles que l'on a pour commencer. Et on a aussi au-dessus, alors attendez, je vais aller un petit peu vers le bas, on a la Toyota Corolla en version, la version Race of Champions, on a la Celica, la 206, pas WRC, mais bon, vous aurez compris que ça ressemble beaucoup. Une Ford Escort qui d'ailleurs est débloquée dès le début du jeu. Les voitures sont assez bien faites au niveau 3D, enfin c'est correct quoi, voilà, il y a déjà eu mieux, mais c'est pas mal. On a l'Opel Kadett, on a ensuite la Formule France, je sais pas si ça existe encore ça. On a le Buggy Rock, donc ça par contre, oui, c'était utilisé dans pas mal de. Bah, chaque année c'était utilisé. On a la Toyota RAV4. Oh mon dieu quoi! Et on a la Ford Escort MK1. On va tester une voiture classique pour le moment. Donc on peut choisir de faire une transmission automatique ou manuelle. On a les pneus en version terre, voire pour vitesse intermédiaire. On va laisser par défaut, on va voir si le jeu nous offre des setups intéressants ou pas. Et on est parti pour un chargement. Chargements qu'on voit qui sont très très rapides. Et regardez, on a François Duval, Flavio Alonso, Gabriel Pozzo. Alors, je ne les connais pas forcément tous, je ne sais pas si ils sont tous vraiment des vrais. Mais là, on a François Duval, mais vous allez voir qu'il y a d'autres des connus quand on va faire d'autres types de courses. Donc c'est parti. Grille de départ prête, donc bah, pour l'instant il est tout seul, hein, parce que c'est un peu un contre-la-montre. Alors regardez cet effet de blur un petit peu bizarre, bah, l'effet de chaleur. Et c'est parti. Et là, dès le début, vous allez rigoler. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse un petit peu écouter le jeu. Vous avez vu, on a même des poules sur le circuit. Bon, voilà, je vous fais un petit peu écouter le bruit de la voiture. Donc on a un copilote, vous l'aurez remarqué, un copilote qui a une voix et des mimiques assez drôles, vous allez voir pourquoi. On a perdu le pot d'échappement. Voilà, déjà, ce genre de détail. Alors, un record de saut, on a l'impression d'être dans un... Comment dire, c'est un peu bizarre en fait, le jeu va être très long à expliquer en fait. Dans le sens... Voilà, donc déjà, pour commencer, le spotter, enfin le... Ce mec s'est mis en plus milieu de la route. On a un hélicoptère, enfin c'est un peu, comment vous expliquer, c'est un peu what the fuck en fait. Mais ça reste drôle. Le maniement est assez particulier. Et surtout le copilote en fait se balance des phrases que je trouve assez drôles. Alors voilà, on a même pu écraser le mec qui prend des photos. Alors au niveau des graphismes, on va commencer directement là dessus. Vous pouvez voir que c'est assez... Oh, c'est assez correct, hein. C'est assez vide malheureusement en termes de détails. Mais bon voilà, c'est sur Play 2. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau là. En tout cas ce qui m'intéresse c'est que les véhicules sont plutôt réussis. Et vous avez vu, alors on voit pas forcément sur le côté, mais la voiture était totalement enfoncée sur le côté droit. Donc, par exemple je peux démarrer la séquence. Et du coup normalement voilà, on va voir ce qui s'est passé. Donc les modèles sont plutôt bien faits, je vous ai pas encore montré si on pouvait changer de vue. Mais voilà, la caméra est assez dynamique, on a une vue un peu particulière. Il faut appuyer sur Start pour le menu. Et j'ai l'impression que sur le côté j'ai perdu un truc, c'est bizarre. Ouais, je crois que j'ai perdu une portière. Sur le côté il n'y a rien du tout. On a le copilote et le pilote qui sont animés à l'intérieur. Voilà, ils ont fait des angles de vue un peu improbables. Et voilà. Alors au niveau du maniement, pour vous expliquer, c'est assez particulier. On va quitter la séance, on va faire continuer. Et d'ailleurs, au niveau de mon temps, j'ai fait le troisième chrono. Donc Yoshi Fujimoto a fait mieux que moi. Donc on peut faire sortir, on va redémarrer la course, on va faire sortir. Il y a énormément de choses à voir en fait dans ce jeu, c'est pour ça que je vais pas pouvoir aller plus très lentement pour vous expliquer tout, enfin en tout cas pour tout vous voir comme ça.
Donc on va faire un petit peu au fur et à mesure. Donc on va faire un démarrage rapide de nouveau, on va tester notre mode de jeu. Le maniement est assez particulier dans le sens où il est assez, enfin plutôt largement arcade, on a l'impression que ça freine pas beaucoup. Et surtout les voitures ont tendance à s'ouvrir complètement. C'est assez paradoxal. On va faire du rallycross. Donc on va faire par exemple le premier circuit dans le désert. Et on va changer de véhicule histoire de tester un petit peu. On va prendre par exemple la Fiat Cordoba, tiens pourquoi pas. Et on va donc démarrer la partie. Donc ouais, je suis assez fan du copilote, sans déconner, je trouve plutôt intéressant, même drôle en fait, parce que il y a une voix en fait qui passe pas forcément. Je sais pas, pensant qu'on se fait engueuler, vous allez voir, hein, suivant ce qui se passe, des fois il va y avoir des phrases assez drôles. Vous souvenez, dans Verali 3, on avait... petite interview, pardon. Et oui, du coup, assez drôle. Je critiquais Verali 3 à l'époque. Enfin, critiquer Verali 3 de manière assez amusée. En disant qu'on se faisait engueuler quand on faisait n'importe quoi. Là, vous allez voir, il va sortir d'autres phrases. Ça va être sympa. Donc là, on est contre d'autres voitures. Je vais pas changer le mode difficulté en revanche. Mais bon, vous voyez quand même, c'est assez fluide. Regardez le saut qu'on peut faire, c'est assez cool. J'ai une vue arrière, voilà, si je... Alors, je vais montrer quand même. Si on appuie sur R2, on change de vue, donc on se rapproche un petit peu. On n'a pas de vue cockpit, donc c'est vraiment ras du sol, ou alors légèrement de loin, ou beaucoup plus loin. Et vous voyez quand même qu'on a une gestion des dommages qui est plutôt... Alors, on l'a pas encore testé totalement, hein, évidemment, on a fait qu'une partie. Je ne laisse pas passer. Mais vous avez vu, les sauts nous font péter la bagnole, quoi. Enfin, c'est vraiment... j'ai rarement vu ça dans ce genre de jeu. Attention, là on va se racher. Oh aïe aïe. Et j'ai cassé un. Ouais, j'ai la roue qui est... qui a pris cher. Ah, j'ai tapé un peu l'arrière. Alors je vais voir si ça change quelque chose au niveau du maniement. J'ai l'impression que ouais, les gommes derrière c'est peut-être pas trop ça. Et j'ai encore tapé. Ouf. Et il m'a traité d'imbécile carrément. Il m'a traité d'imbécile le mec quoi, tout va bien. Et regardez, par contre là ça devient difficile de piloter parce que j'ai une gomme totalement morte. J'ai un pneu qui a pris quand même vraiment cher quoi. Alors on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc là on est... s'il n'y a pas de tour, hein, c'est un seul tour à faire normalement. Tu vas finir par tout casser. Génial, génial, franchement ça c'est vraiment excellent. Et voilà, le copilote franchement ça fait totalement le jeu. C'est vraiment ridicule mais moi je trouve ça vraiment drôle. Et regardez la voiture comme elle est totalement démolie, on voit l'intérieur et tout. Alors c'est un jeu qui paye pas mine à la base, hein, qui est pas forcément ultra bien noté, enfin il y a quand même eu des jeux bien mieux que ça. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses plutôt bien faites dans ce jeu. Ce 38 mètres, bon il calcule le saut. Oh là là, et n'empêche ils auraient pu faire un Destruction Derby avec ce jeu, hein. Regardez la gestion des dommages, c'est quand même particulier. Et Clown je crois aussi, hein, était connu, mais je sais pas si c'est le même nom, le prénom. Pas, enfin je sais pas trop. Bon, on a terminé distance de saut, vitesse max, et on a perdu parce qu'on a terminé deuxième. On était que 3, c'est dommage, on a pu être un tout petit peu plus. Donc on va sortir, et on va changer le mode de jeu. Ouais, ça part en tous les sens cette vidéo, il y a trop de trucs à voir. Ouais, donc la gestion des dégâts est plutôt bien localisée, hein, comme vous pouvez le voir, c'est quand même vachement bien fait pour l'époque quand même. C'est vrai qu'on est quand même sur PS2. Ensuite, on a démarrage rapide, on va faire donc un mode de jeu. On va faire un mode de contrôle avant non, ça sert à rien. On va essayer de faire le mode challenge, qui est pour l'instant un des trucs qui est débloqué. Et regardez, on a le Motor Down Driving Challenge. Donc là, c'est le slalom avant, présentation 1, goudron 1, c'est parti. Et on va changer de véhicule. Bon, on va prendre le suivant, on va prendre la Lancia par exemple, la 037. Vraiment un choix de voiture vraiment sympa. Franchement, on va voir s'il y a une différence au niveau du maniement, parce que pour le moment j'ai pas trop de changé de catégorie. On va voir si la Lancia est un peu plus difficile à piloter ou pas. Et vous voyez, Marcus Gronholm, Didier Auriol, Michel Mouton, Annie Nicolas, Gilles Panizzi, Stig Blomqvist, Björn Valgaard et joueur 1. Et Michel Mouton, pour ceux qui connaîtraient pas le rallye, c'est une femme qui a remporté des victoires en rallye en groupe B, c'est-à-dire ce genre de voiture de rallye dans les années 80, et a prouvé que bah, une femme pouvait être aussi fort qu'un homme. Dans les courses automobiles et notamment en rallye. Et donc ça fait plaisir de la voir d'ailleurs dans la liste avec ses compatriotes. Voilà. Donc
simple, après la comparaison s'arrête là, puisque le jeu est quand même assez, assez arcade. Alors c'est parti, je sais pas tout ce qu'il va falloir faire, on va démarrer. J'ai un départ assez moyen apparemment. Oula, c'est marrant, pendant 30 secondes j'ai cru que j'étais en train de jouer à Flat Out. Alors là il y a un seul homme. Ok. Ok, là on est passé, on est passé. Attends, on va tourner. Alors oui, elle tourne très très mal, faut vraiment que je freine à chaque fois comme ça. Ah, je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave. On va voir si on peut faire la suite. Ok, là on l'a passé, là on l'a passé. On va freiner et j'ai complètement tapé. Est-ce que je peux aller en marche arrière? J'ai pas l'impression. On va avancer par là. J'ai pas réussi à mettre de marche arrière. Vous voyez, j'ai l'arrière qui se décroche. Aïe. Et là j'ai cassé un peu tout. Bon, c'est un challenge, j'imagine que je prends des pénalités si je le touche. On va recommencer. On va faire option. D'ailleurs, dans les options, ce que je propose, c'est qu'on va augmenter la voix. Comme ça, on entendra beaucoup mieux ce qu'il nous dit. On va faire OK. On va faire revenir à la course. Je ne sais pas comment je marche arrière, d'ailleurs. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il faut que je mette en non? Ah, voilà, c'est triangle. OK. C'est un peu comme dans Grand Tourisme, d'ailleurs. Vous avez vu le capot qui s'est ouvert? Je suis censé faire quoi, là? On sait revenir? Ah, mais je pense que comme j'ai pas réussi à prendre le saut juste avant, ça a pas marché. Ah non, c'est le finish. C'est le finish, mais comme j'ai pas réussi les 4... Bon, j'ai raté le quatrième, donc du coup, il faut que je recommence. J'avais raté un point de passage, en fait. Donc il aurait fallu que je revienne en arrière et que je le termine. Alors, au niveau du monument, j'ai pas trop senti de différence, si ce n'est qu'elle est un peu plus nerveuse. C'est pas exceptionnel, mais bon, après, ça peut aller. On va faire un démarrage rapide toujours. On va faire donc un autre mode de jeu. Je sais pas si j'en ai débloqué. Non, j'en ai pas débloqué. Bon, écoutez, il va falloir faire un peu le mode normal pour pouvoir réussir. On va sortir du mode rapide. Et on va faire par exemple... Clash of Champions. On va faire celui-là. On va faire le mode voilà, qui s'appelle Challenge Rock. Donc on peut créer un nouveau profil, chercher un profil existant, on va garder le profil par... Aucun profil sélectionné. On va recommencer. Ah, faut que je crée un nouveau profil. D'accord. Bon bah c'est parti, on va créer... Voilà, je suis né en 74, vous le savez tous. Non mais on s'en fout, en fait on fiche complètement. On va mettre, si vous voulez, décembre, voilà, 3 décembre, pays, par contre on va le changer. On va un peu les pays disponibles. Et comme en plus j'ai toujours rêvé d'être uruguayen, on va en profiter. On va accepter le profil, donc on va pouvoir sauvegarder. Donc on va l'utiliser. Et c'est parti. C'est un jeu qui est d'une autre assez moyenne. C'était pas un jeu mauvais, enfin pas considéré comme mauvais, mais bon, il y a des choses, des gros défauts dans le jeu apparemment. Notamment la manémité, vous l'avez vu, c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, ça c'est vraiment au niveau du ressenti que vous allez le voir. On a les records, les options, et bah c'est tout. Bon, on va faire les qualifications. Donc avant d'affronter les meilleurs fêtes à fond, là j'y arrivais, avant d'affronter les meilleurs, faites connaissance avec le circuit et montrez de quoi vous êtes capable. Alors, qualif 3, qualif 1 contre la montre, terminé dans le temps imparti. Bah écoutez, c'est parti, on va commencer. Et on commence avec une Toyota RAV4 de groupe C, donc une voiture qui va être très très lente. Bon, ils ont enlevé la roue derrière, donc c'est déjà pas mal. On va gagner un petit peu de poids, parce que c'est pas non plus le plus rapide. Et les chargements. Bon, les chargements c'est un petit peu long, vous l'aurez compris. Après, bon, ça va, il y a pire quand même. Mais un petit peu long quand même. Surtout, il n'y a pas de musique pendant les chargements. Allez, c'est parti. Par contre, il a l'air sur-sponsorisé par Marlboro, ce truc. Même si on voit pas le petit triangle, on devine un peu quand même. Allez, c'est parti. Bon, l'effet de chaleur est pas spécialement bien rendu, hein, vous avez compris. Mais bon, il y a pire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, on peut voir. Voilà, donc on a dit la vue tout à l'heure. On peut. Si je mets L2, je peux regarder derrière. Au bas, ça ne me fait rien. Léger gauche, saut devant. Oula!
Et on a aussi la voiture qui se salit, hein. Vous en rendez compte légèrement sur le véhicule. Il revient sur la piste. Là, bon, je suis un peu n'importe quoi. Trop difficile, bon, hein, c'est très difficile. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis obligé de commencer à tourner, freiner d'un coup pour la faire entrer dans le virage, la mettre en glissade un tout petit peu. Et ça marche pas spécialement bien. C'est pas comme un Segar Ali, par exemple. Pff, voilà, je vais tout casser. Le pot est ruiné. Le pot est ruiné. Oh, gauche très difficile. Encore un comme ça et c'est fini. Mais c'est fini. Ah là là, excellent. Ouais, en plus on écrase des poules, c'est magnifique. Ouais, maniement, j'ai beau freiner, ça freine pas très bien. C'est un coup à prendre, après je pense qu'avec de l'habitude ça peut être intéressant. Mais là, c'est au début c'est un peu... Enfin, quand on sort de tous les autres jeux de rallye, ça fait bizarre. Ah oui, c'est vrai, on l'a carrément perdu, j'avais pas vu. Petit détail. Petit détail sympa. Donc il faut que je fasse 2 minutes 11. On va arriver vers la fin, 2 minutes 1. Bon, bah c'est pas mal, on va réussir. Et on a réussi, pour 5 secondes d'avance. Le pare-choc avant est abîmé. Et on a été qualifié, donc du coup on peut faire sortir. Ouais. Et on va passer du coup à l'étape 2. Alors ce qui est intéressant pendant la vidéo, pendant la review, c'est qu'on puisse débloquer un ou deux modes peut-être pour voir ce qu'il y a derrière. Donc on va passer donc au mode challenge avec le Buggy Rock. Ouais, c'est parti. Donc c'est le motodrome Goudron, ok. On va tester ça. Alors le bruit est différent. Donc déjà ils ont fait attention de faire des bruits. Ah bah c'est le même slalom que tout à l'heure. Décidément en fait j'aurais dû faire le mode par défaut. Ouais, par contre, aucune possibilité de freiner dans ce jeu. Ah, il faut vraiment en fait rentrer dans le truc vert, je ne comprends. C'est pas le tout de rentrer dans ce slalom. Ouais, il faut vraiment passer au milieu. Par là, voilà, et là j'ai du coup 10 secondes de plus dans mon temps, et le but c'est de faire 52 secondes, donc là j'ai loupé, ok, bon on va recommencer, c'est pas grave, on va faire continuer, on va redémarrer, et on va essayer de taper tous les blocs verts, enfin, tous les petits drapeaux verts, parce que j'ai pas compris en fait, je pensais qu'il fallait juste toucher les 3, il faut être beaucoup plus précis. Cette astuce, si vous voulez mieux démarrer, n'accélérez pas à fond. Hein. Ah là là! Et en plus, j'ai loupé complètement. Aïe! Bon bah là j'ai perdu tellement de temps, je pense pas que je vais réussir à faire quoi que ce soit. Bon on va essayer d'aller jusqu'au bout. Mais à mon avis je suis pas du tout dans les clous. Ah là, malheureusement j'ai pas réussi. Et là encore une fois je vais échouer. On va faire... non on va continuer mais bon je pense que ça passera pas. Ah, je perds tellement de temps. Fini en une minute, j'ai fait pire que tout à l'heure. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. On va redémarrer la course. Et imaginez, je suis même pas qualifié là, c'est juste des qualifications, on n'a pas commencé le jeu. Trois, deux, un, partez.
Voilà, là on est très très bien parti, du coup on va gagner un petit peu de... quelques dixièmes. On va dire ça comme ça. Là, je suis à moins 4, du coup c'est bien, je vais pouvoir gagner des secondes un petit peu. Là on va freiner un peu plus que de raison pour prendre comme il faut. Voilà, là on a bien négocié. Ça fait plaisir, voilà, on a moins 12 secondes, du coup on est tranquille. Enfin, on est tranquille. On a juste à faire doucement. Ah, j'ai perdu un peu de temps par contre. Point 4. Hop. Les deux aussi, c'est bon. On est en moins 14 secondes, ça devrait pouvoir nous aider à la fin du temps imparti. Voilà. 2 secondes en moins. Encore 2 secondes en moins. On va aller jusqu'au bout. Donc là, je suis au-dessous du temps. Mais regardez, je passe à 32 secondes. Ce qui fait qu'on a, on a réussi cette fois-ci. Du coup, on va pouvoir faire sortir. Allez, c'est parti, on va passer à la troisième partie des qualifications. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, l'épreuve est plutôt sympa. Donc, on va faire du coup la troisième. Il va s'agir donc d'un rallye chronométré sur le Cayenne Fire 1 et il faut terminer dans le temps chronométré. Et on est avec donc une Ford Escort MK1. On va voir si elle est un petit peu différente au niveau du véhicule. Alors je sais pas quel est votre point de vue en tout cas à ce moment de la vidéo, si vous êtes toujours encore là. Mais pour le moment je le trouve plutôt prometteur, enfin en tout cas il y a pas mal de choses. Bon après voilà, le jeu vieillit, mais en tous les cas... il y a quand même un petit peu de contenu, ça fait plaisir. 3, 2, 1, partez ! Donc là c'est du rallye pur, on a une sorte de mascotte assez mignonne d'ailleurs sur le côté. Ouh là là, alors par contre celle-là, elle glisse énormément et on peut casser les bouts, tout va bien, ok. On a des éléments du décor qui peuvent se détacher. Et là vous voyez l'écran en vert, je me suis posé la question pendant 3 secondes, pour à force de jouer à SSX. Si c'était pas un raccourci, justement. Léger, droite, gauche, moyen. Gauche en épingle. Mais j'ai un peu de mal à la garder sur, le, sur la piste. Gauche difficile. Gauche difficile. Léger, droite. Non, pas un tunnel, il n'y a pas d'effet de réverb. Ouh, le carton. Bon, on va finir l'épreuve. Pour voir quand même comment on a fini. Tant pis, hein, on recommencera. De toute façon, je vous ai un petit peu montré ce qui était débloqué dans le jeu. Hein, donc, pour pouvoir découvrir d'autres trucs, il va falloir débloquer. Donc, il faut avancer dans ce mode-là. Ouais, ça glisse d'un coup et c'est difficile à la récupérer. Retour sur piste. Bon, je pense qu'on est, très très loin du but. Regardez, 1.39 à faire, on est déjà en 1.29. Et en plus, c'était pas par là qu'il fallait aller. Ouais, il a tendance à glisser plus que de raison. Et j'ai réussi. D'accord, bah j'ai réussi. Avec toutes les erreurs que j'ai fait, j'ai réussi. Bon, bah le jeu était plutôt sympa cette fois-ci. Sortir, enfin confirmer. Du coup, je pense qu'on est qualifié. Et on va pouvoir passer du coup aux choses sérieuses. Et un quatrième... ok, rechallenge. Donc là, c'est un face-à-face. Battez votre adversaire. C'est parti. Alors, on va utiliser cette fois-ci la Formule France avec une... c'est quoi comme voiture? On dirait une Ford Cougar un peu modifiée. Ouais, c'est un peu bizarre comme véhicule. On va laisser par défaut. Pour le moment, les setups n'ont pas l'air spécialement mauvais, donc bon, on va laisser comme ça. Avec ce petit écran de chargement. Non, l'interface est correctement réalisée. Hein. Vraiment, ça me fait penser à un mix de Colin McRae 1, en fait, avec un autre jeu. C'est assez paradoxal. Alors, donc, on est contre Ralph Wallman, donc il va falloir battre... ah, bah c'est une vraie course contre les champions. C'est-à-dire qu'il va falloir finir devant lui. C'est une super spéciale, hein, si vous avez déjà vu ça sur les Colin McRae, par exemple. Simplement, super spécial. Alors par contre, elle a un grip énorme celle-là. Hein. Elle tourne super vite, super bien. Je sais même pas si c'est normal. Oh là, regardez Vanessa. Attention.
Il faut surtout la maîtriser en l'air, on peut pas évidemment changer ce qu'on fait quand on est dans l'air, on peut pas changer de direction. Mais il faut anticiper le saut pour éviter de se partir un peu trop à la faute. Et je crois qu'on peut voir l'écart qu'il y a entre nous. Hein. 189 mètres, 190 mètres, ouais c'est ça. Donc pour l'instant je suis en avance. Alors je suis peut-être sur la partie la plus courte du circuit, hein. On va voir après contre l'IA ce que ça donne. Mais là, elle tourne super bien, hein. Elle a un grip parfait. Le jeu est fluide aussi. Je trouve très très fluide. Bon après au niveau des graphismes on est loin d'un Grand Turismo. Mais quand même, ça fait toujours plaisant d'avoir un jeu qui rame pas. En tout cas pour le moment c'est pas le cas. Et voilà, on va passer par là. J'ai 300 mètres d'avance, bon ça va, je pense qu'on devrait pouvoir réussir du premier coup. En tout cas pour cette spéciale. Voilà. Et on va finir le record du tour avec. Et oui, Ralph Wallman qui est quand même hyper loin et qui va terminer avec plus de 10 secondes de retard. C'est incroyable, on va faire continuer, on va pas l'attendre. Et on va faire sortir et on est vainqueur. Et on a un permis de rallye, le accordé. Donc maintenant qu'on a fini ça, on a, bah oui, C, B, A, donc on va repasser à la suite. Donc là, on va défier des nouveaux pilotes de rallye avec des autos rallye compactes. Donc ça va être la série C, vous l'aurez compris. Et on va du coup, on a un mode challenge circuit. Donc c'est un championnat au point, donc il y a 3 courses. Et il faut faire le meilleur total de points, donc je pense que bah, c'est un championnat, hein, concrètement. Ensuite, pareil, mais c'est sur 3 rallyes différents. Enfin, faire le mode rallye pour commencer. Et pour le moment, j'ai droit qu'à la classe C, donc je peux prendre la Toyota RAV4. La Buggy Rock, et c'est tout, et je pense que voilà les modèles qu'on peut débloquer derrière, ça sera ceux-là. Je sais pas ce que je vais prendre, est-ce que je prends celle-là ou celle-là. Vous voyez la différence en fait, celle-là est plus puissante, elle est meilleure accélération, pardon, mais plus de puissance. Et celle-là, c'est un peu l'inversement. Bah écoutez, je sais pas ce qu'on va prendre, on va prendre la Toyota RAV4, allez, c'est parti. Toujours ces chargements... extraordinaire. Bon, pour l'instant, pour le premier aperçu du jeu, hein, pour tester pour la première fois, bah plutôt pas mal. Enfin, il est pas mal, ouais, c'est sympa. C'est sympa. Je sais pas quoi dire de mieux. On a Frank Biela, tiens, Gigi Leto, Troy Bayliss. Ah, Troy Bayliss, je crois qu'il existe vraiment, c'est pas un mec de NASCAR. Bobby Gordon, Yannick Dalmas, Ralph Wallman. Alors, Yannick Dalmas. La dernière fois, je crois que je l'ai vu dans un jeu, je crois que ça doit être Grand Prix 2, hein, au passage. Donc bon, on va faire continuer, et bah, c'est parti. Donc c'est un but, c'est au chrono. Hein. Donc comme d'habitude, je fais attention, je n'accélère pas trop fort, je ralentis dès le début pour prendre du grip. Bon, c'est ça qu'on a déjà fait, donc logiquement, on devrait pas trop mal s'en sortir. On verra après les autres tracés. Vous avez vu le petit bruit du pot d'échappement? Vous allez l'entendre. Bon voilà, j'ai esquivé le saut. Au moins c'est fait. Alors on a l'impression qu'on est obligé de passer par tous les points de passage. Oui, on doit prendre les points de chrono. Mais on n'est pas forcément obligé d'aller tout forcément sur la piste. Hein. On peut couper un petit peu. Là par exemple on est obligé de passer par ces points de passage, si on les prend pas, le jeu considère qu'on a triché. Et décidément, j'ai du mal hein, à certains virages. Regardez le travail des roues. La portière est touchée, nous sommes touchés. On avait presque un FPS quoi. Oh non, un jeu d'avion. Allez, on va enlever les cocottes là, hop là! Il a dit du calme? J'ai un petit peu la vue arrière. Vous voyez, quand je tourne le volant, et voir même son. Même le copilote! Aïe aïe aïe! Coup dur, on va taper sur le côté, bon. Ma portière est partie! Excellent! Ah y'a rien à faire, je trouve vraiment que c'est le cœur du jeu, c'est ça quoi. Limite t'as envie de te planter pour voir ce qu'il va dire. Bon, je suis pas persuadé d'avoir fait un temps super, enfin en tout cas de faire un temps super. Oula, en plus on va partir en tête à queue peut-être, non c'est bon.
Ah, il n'en reste pas beaucoup de temps, il ne reste 15 secondes. Et droite moyen, essayer de tourner. Aïe aïe aïe, 2, 3, 2, 11, ça va être juste hein. 7, 8, 9, 10. La portière va lâcher. Et malheureusement, on a échoué, hein. On a fait 12, 92. Du coup, on est à combien? Ah, on a le deuxième chrono. Bon, bah, ça va, je pensais que c'était vraiment le. Il fallait battre ce temps pour en passer. Et non, finalement, on est deuxième chrono, donc il y a 8 voitures. Hein. Du coup, dans le mode chrono, ça c'est pas mal. Et donc on est pour le moment bah, deuxième, tout simplement. Et je pense que les temps vont se cumuler pour la course 2 et la course 3, donc il va falloir faire attention. Et regardez, on a un solde de points de réparation, coût de réparation 0, solde actualisé. On peut donc réparer la boîte de vitesse, on peut réparer le moteur, les roues étant un petit peu endommagées, donc du coup ça nous coûtera 3. Et la carrosserie aussi, bah, écoutez, on va réparer les deux, on va passer à la suite. Donc on peut même réparer pendant le mini rallye que l'on va faire. Et c'est parti du coup pour la suite. Alors... je n'ai jamais fait ce tracé. Du coup on va découvrir ensemble. Vous remarquerez le reflet et traces aussi de la voiture. C'est un truc qui m'a l'air mouillé et on a des petites projections d'eau sur l'écran qui sont bien faites, hein, vraiment. On a plutôt réussi. Alors, on va voir maintenant, est-ce que c'est un gros impact hein, le fait d'être sur de la pluie, enfin sur de la boue. J'ai pas l'impression que ça change beaucoup, ça glisse un peu certes, mais ça s'arrête là. On va faire un gros coup de freinage, voilà, sinon on se loupe comme là. Oula ! Boujou ! On va passer un petit peu à l'intérieur, voilà. Encore un degré et c'est fini. Oui, dans le sens où si je tourne encore un peu plus, enfin la voiture elle tourne, elle vacille un peu plus. On part en tête avec... Ouh, on a le brouillard qui arrive. Alors je sais pas s'il dit du calme ou du gaz. Bon, je coupe un peu. Ah c'est vrai que c'est un circuit que je ne connais pas. Donc en plus de péter le panneau, regardez, on va se retourner. Bon là je doute qu'on fasse un temps correct hein. Par contre vu du nombre de fois où je me suis planté. Dû embarquer, histoire de voilà de voir un petit peu le jeu en vue de plus proche, même si ça n'a pas grand intérêt, hein, sincèrement. Je pense que j'ai quand même préféré garder cette vue. On a passé un peu la tempête. Bon, j'essaie de rattraper un petit peu mes erreurs. Bon, on a coupé, mais c'est pas grave. Ah, vous remarquez quand même aussi un petit défaut. C'est que le copilote a tendance à afficher, enfin en tout cas à donner les prochains virages vraiment tard. Typiquement par exemple j'étais déjà dans les pins qui me disait qu'il allait avoir un droite ou un gauche très serré. Donc on était carrément dans le virage. Bon, je pense que ça peut le faire, enfin en tout cas on devrait pas être trop loin. Je dis ça, mais on a la là, on est en retard déjà. Et le finish était là. Bon, on est un peu loin, mais je pense que ça peut passer. Donc on a fait quelques secondes de plus, on va faire continuer. Ouais, je suis troisième, c'est pas mal. Faut voir aussi si les autres, enfin en tout cas si le leader lui a fait un bon chrono ou pas. Je sais plus qui est premier, mais je crois que c'est Jeremy McWilliam justement. Donc malheureusement, on perd du temps sur lui. Et effectivement, ouais, on a 6 secondes de retard. On va passer à la troisième course. Faudrait que je fasse pas trop d'erreurs d'ailleurs sur cette troisième pour pouvoir un petit peu progresser. J'allais dire aucun dégât, mais en fait si c'est bon, et là je l'ai réparé, il me reste 11 points de réparation. Et on va donc tenter notre chance sur le dernier tracé. Il me semble qu'il y a eu 3 courses. Hein. Logiquement on devrait pouvoir finir.
Allez, on va tout donner dans les derniers, instants. Celui-là aussi, j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà fait. Léger, droite. Droite difficile. Eh, j'ai vraiment du mal hein, avec le fait de pouvoir tourner. Pas mal de temps. Pourtant, je freine beaucoup, hein, enfin, pour le voir au niveau de la, des phares. J'ai quand même tendance à plutôt freiner fort. Évidemment, une fois que vous connaissez les tracés, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Il faut juste pouvoir bah, les connaître justement pour s'améliorer. Donc là, on a une mare d'eau. Oula! On peut leur passer à l'intérieur, hein, comme ça on gagne un peu de temps. Bon, les spéciales font environ toutes une 2 minutes, hein, vous aurez remarqué. On a à peu près 6000 heures entre les spéciales. Le public qui s'est déplacé nombreux pour nous voir. Et on va avoir du coquin qui va nous prendre en photo. Vas-y, 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 vas-y. Ah, j'aurais voulu t'écraser, hein. Franchement, ça me démangeait. Alors, est-ce qu'on va casser quelque chose dans le seau? À la portière qui est en train de s'arracher. On a pété le panneau. Long saut devant. Léger gauche. 59. Il reste 7 secondes pour arriver jusqu'au bout. 3, 4, 5, 6. Ah, dommage. On n'était pas trop loin. On n'était pas trop loin. Bon, c'était un peu juste. Et en plus, c'est Jerry McWilliams qui est encore devant. Du coup, on perd encore du temps. Bon. Bon, en tout cas, on est deuxième. On a perdu. Pour. 10 secondes. On a perdu, il dit carrément qu'on a perdu. Malheureusement, du coup, il va falloir recommencer. On va essayer de faire l'autre mode de jeu, enfin le deuxième rallye qui est proposé. C'est un petit peu dommage parce qu'on perd pas beaucoup. Bon, apparemment, le challenge a quand même assez relevé parce que maintenant, j'ai pas fait tant d'erreurs que ça. Enfin, j'ai fait un petit peu au début. On va faire le challenge circuit. Et on va prendre le Buggy Rock. Je pense que ça devrait être bon. Ouais, Buggy Rock. Et on va démarrer. On verra si on débloque en tout cas quelque chose ou pas. Et on est que 4 cette fois-ci. Ah, par contre, on est 4 en même temps. Et on a un... Oui, un peu de tout là. On a un buggy comme nous, on a une voiture un peu vieille. On a le RAV4 qu'on a pris juste avant. Aïe, attention. On va essayer de dépasser les IA, voilà. Bon bah là au moins, c'est simple, il faut terminer devant eux. Enfin, en tout cas, on voit où on en est. Alors le bouton SELECT ne fait rien. D'ailleurs, je vais me tester au passage, ça ne fait rien du tout. Le bouton SELECT, que dalle. Bon bah là du coup. Par contre on entend plus le copilote. Là on est obligé de se débrouiller, il nous donne juste les virages. Et vous voyez qu'on avance, commence à bien monter. Par contre elle a l'air beaucoup plus maniable, hein. J'aurais dû peut-être prendre ça là à la place du RAV4 dans la première championnat. J'ai dit ça mais je me retourne juste après, donc c'est pas grave. J'ai perdu beaucoup de temps. Mais bon, ça va, ils sont encore derrière. Vous remarquez qu'il n'y a pas de musique non plus pendant qu'on fait la course. Le jeu est même sponsorisé par 7up. Donc on a fait un tour sur 3. Nouveau record du tour.
Bon, en tout cas, là, ça a l'air un peu plus facile. J'espère qu'on aura assez d'avance. Alors, les circuits sont moyens. Hein. C'est les premiers circuits, donc je pense que les autres circuits vont être beaucoup plus complets. J'ai bien aimé le circuit qu'on a fait tout à l'heure sur le goudron. Il était plutôt intéressant. Ceux-là sont plutôt pas mal, mais bon, après. Ils sont pas exceptionnels, quoi. Mais bon, ça va, les circuits sont quand même corrects. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de difficulté entre le mode qu'on a fait juste avant et celui actuel. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Même passer derrière. Alors, ce qui est intéressant, ça serait de savoir ce qui se passe si on sort complètement du tracé. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Est-ce qu'on va avoir un mur invisible ou est-ce qu'on va nous remettre sur la piste? Peut-être que ça, on testera après si on a encore un peu de temps. Même si j'en doute, puisqu'on est déjà à 45 minutes. Il nous reste quand même deux courses à faire. On n'avait pas fini celle-là. En tout cas, ça reste une bonne surprise. J'attendais pas grand-chose. C'est pas un jeu auquel on parle souvent sur PS2. Et du coup, je trouve le jeu quand même sympa. Voilà, c'est pas le jeu de l'année, mais quand même, il est pas mauvais. C'est pas un mauvais jeu. J'aurais aimé pouvoir débloquer des choses un peu en plus pour vous montrer, mais à voir si on va pouvoir le faire après. Alors, ce qui m'a le plus plu, on va dire, dans ce jeu, c'est la gestion des dommages, les dégâts sur la voiture. Je trouve ça quand même particulièrement réussi. Bon, ça sera la bonne nouvelle, et le copilote, vous l'aurez compris. Les deux particularités de ce jeu, c'est pour ça que je vous dirais, testez-le. Potentiellement, vous allez aimer. Alors, vous savez, je suis très bon public hein, dans les jeux en général. Mais là, sincèrement, je pense que vous n'allez pas trouver ça très très nul. Vous allez plutôt trouver ça correct. Alors, je rappelle qu'on est sur PS2. Je pense que le jeu est sorti sur PC aussi. Je sais pas s'il est sorti sur Xbox ou GameCube à l'époque. En tout cas, pour l'instant, c'est pas sûr. J'ai 800 mètres d'avance. En même temps, j'ai pas trop fait d'or là maintenant. Je connais le sensé. Oh, regardez, on peut rouler sur les. J'ai cassé un peu le devant. Ouais, il y a le capot qui a pris cher. Et le moteur aussi, du coup. Ah, petit détail technique. Vous n'avez pas forcément vu, mais regardez, si je freine, j'ai les comment ça s'appelle, les plaquettes de frein qui virent au rouge. On passe à la course suivante. C'est un petit détail, j'ai pas remarqué. Et du coup, niveau réparation, bon, on n'a pas grand chose, on n'a pas pris beaucoup de dégâts. Voilà, carrosserie, on va accepter. Et du coup, on passe à la course suivante. Alors, est-ce qu'on va découvrir un circuit qu'on n'a pas fait avant? Ça pourrait être bien. On l'a pas fait, mais c'est parfait. 3, 2, 1, partez! Alors, 3 tours à parcourir encore une fois. Alors quand je touche l'IA, comment dire, ça fait pas grand chose. Ok, faut que j'appuie sur Select. Du coup le Select sert à quelque chose, je viens de comprendre. Quand on est retourné, en fait, si on appuie sur Select, ça nous remet sur la piste. Je commence à m'inquiéter parce que je me suis dit c'est quand même bizarre, je me remets pas naturellement sur la piste. Finalement là c'est le cas. Il y a qui fait n'importe quoi, regardez-moi ça, ils se sont touchés tous les deux. Ça nous permet du coup de reprendre de la place 3 dès le début. Ok, on est passé. Le deuxième est à 200-300 mètres déjà, il a pris une sacrée avance. On va voir si on peut revenir, surtout que c'est le même véhicule que nous, donc on est un petit peu... En tout cas, on est à égalité. J'ai complètement coupé. Par contre, ils reviennent vachement sur moi. Hein. Oh, y a attention. Allez, on va repasser. On est à 260, on n'a pas trop récupéré de temps, hein, par contre. Là, sur ce tracé, l'IA est beaucoup plus forte.
Et on est toujours dans le tour 1 sur 3, donc on a encore nos chances. Mais je perds du temps hein, par rapport à mon pilote. J'ai l'impression qu'il s'est planté. Ouais, devant il s'est planté. Par contre, voyez, d'un coup il accélère. Alors je me demande s'il n'y a pas une... Comment expliquer alors qu'on a un hélicoptère qui suit la course, qui fait un peu n'importe quoi. Je me demande si l'IA en fait elle a pas un peu à la Mario Kart. Bon, j'ai pété le rond arrière. C'est-à-dire qu'elle a tendance à accélérer quand on est devant et ralentir un petit peu quand on est trop à la rue. Parce que là, vous voyez, on est quand même remonté sur le leader. En fait, qu'il a fait une erreur. Hein. Et voilà, on est en tête. Enfin, on va bientôt être en tête peut-être. Double jump. Voilà, donc on peut toucher les voitures adverses. La gestion des chocs d'ailleurs entre l'IA est pas trop pourrie, enfin ça va. Oula, j'ai cassé le... Regardez, j'ai le truc qui ballotte sur le côté. Il n'y a pas trop d'impact à les toucher, mais c'est bien. C'est quand même plutôt bien fait. Vraiment la physique du jeu, si on nommait, vraiment le sous-virage à mort, ça va, franchement ça va. Mais ça reste arcade. Allez, on est au tour 2 sur 3. Par contre, elle a l'air d'avoir une sacrée vitesse de pointe, la voiture de rallye. La vieille voiture de rallye, plutôt. Par contre, elle fabrique une tourneuse à gazon, je trouve, ma voiture. C'est assez paradoxal. Et là j'ai quand même cassé pas mal de choses, hein. Faut quand même que je commence à faire attention. Et voyez, d'un coup il ralentit, alors est-ce qu'il aurait pas... S'il aurait pas pété quelque chose, je sais pas. En tout cas on est passé devant. On va essayer de s'éloigner le plus possible, hein, pour pouvoir... limiter la casse. Surtout que si on gagne deux fois et que derrière le deuxième c'est pas le même, on va prendre une sacrée option sur le championnat. Petit championnat de course. Ah, j'ai perdu du temps, regardez, 140 mètres. C'est assez stressant hein, ce système de distance entre l'IA et nous. Et d'un coup on a repris beaucoup d'avance. Bon, après c'est vrai qu'on reprend quand on est en ligne droite et qu'ils sont dans les virages serrés parce qu'ils avancent pas. Donc ça porte à confusion. Ah ouais, on dirait vraiment une bruitonne dans un gazon. J'ai l'impression d'entendre le voisin passer la tondeuse de loin. Et du coup, on a gagné. Alors c'était quand même pas facile au début, hein. On s'est vraiment rattrapé sur la fin, mais un peu de mal. Et là on a quasiment le double des points du deuxième, donc c'est bien. Je pense qu'on a pris une sérieuse option. Parce que même s'il gagne, si on termine deuxième, je pense que ça doit passer. Allez, on va un petit peu réparer tout ça, voilà. On a assez de points, donc on en profite. Et on va faire donc le troisième tracé. En espérant qu'on puisse débloquer quelque chose. Ça serait bien. Allez, c'est parti. Ben, je crois que le troisième tracé... Je me rappelle pas, j'ai pas l'impression qu'on l'ait fait celui-là. Non, il y avait un gros virage. Ah, je sais plus. Décidément, les circuits se ressemblent un petit peu des fois, donc on sait pas trop. Non, je pense qu'on l'a pas fait. J'ai oublié ce que j'ai fait en début de vidéo. En même temps, la vidéo dure environ une heure. Donc c'est vrai que c'est pas évident des fois. Mais quand même. Non, on l'a pas fait celui-là, je crois. On ne parle pas. Donc on a quelqu'un qui va nous prendre en photo, qui va se faire écraser, mais après bon, c'est son choix. Hein. Quoi de mieux de moi, de sa passion. Pff, attention aux arbres. Parce que là, les arbres, ça fait mal. Ça casse bien la voiture. Alors il faut passer par là. C'est sinueux. C'est moi ou j'ai besoin de faire le circuit à l'envers? Peut-être ça en fait, hein, parce que ça me parle ce passage-là. J'ai l'impression d'avoir fait déjà.
On n'était pas passé dans un tunnel, donc non, peut-être pas en fait. Bon. En tout cas, on a de l'avance, hein, 130 mètres. Écoutez, je vais me taire un petit peu, je vous ai profité de la tondeuse à gazon. Vraiment quelques instants. Ça va, vous n'êtes pas endormi? effectivement, ça manque un petit peu d'ambiance. Je vais regarder un petit peu dans les options. L'effet sonore va. Et non, il n'y a pas de musique, hein, vraiment. Il n'y a vraiment rien du tout. Bon, les vibrations, je vous rassure, elles fonctionnent. Mais là, c'est. Ouais, c'est assez vide. C'est assez vide, c'est un petit peu dommage. En termes d'ambiance sonore. J'ai hâte de savoir ce qu'on va débloquer. Je pense qu'on va débloquer une voiture du type C. Enfin, je vois pas ce qu'on pourrait débloquer d'autre. Hormis ça. Enfin, en tout cas, pour commencer. Je pense pas qu'on débloque une voiture de la série B ou C. Ou B ou A. Quoique ça pourrait aussi être le cas dans le sens où ça me permet après de pouvoir passer au championnat de catégorie B. Donc logiquement, c'est peut-être ce qui va se passer. On verra, on va découvrir ça ensemble. Le buggy est peut-être pas le plus rapide, mais en tout cas il est beaucoup plus maniable. Il a une bonne patate dans l'accélération et ça aide vraiment beaucoup sur ce type de circuit. Allez, le dernier tour. Enchaîne record sur record. Bon, une fois qu'on a pris l'habitude, bah, ça commence à être plutôt intéressant dans le pilotage, mais bon. Sans plus. Je dois passer par là, ouais, sinon j'allais me prendre les arbres. Des fois on aura envie de couper un petit peu, mais là comme on est en course, j'ai pas envie de tout ruiner au dernier moment. On a 750 mètres d'avance, hein. Là on est vraiment, vraiment plus rapide qu'eux. Mais on a envie des fois de se dire on va tenter, on va couper, on va essayer de voir si on peut gagner du temps là, faire un petit saut ici, un petit saut là. Voilà, par exemple je coupe un petit peu, je perds pas trop de temps, voire aucun. C'est pas mal parce que les trajectoires sont assez multiples. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de suivre la ligne tout le temps. Par exemple, je cut carrément, hein, et le jeu ne me dit rien. Ça, c'est le côté un petit peu liberté sympa aussi. C'est un petit peu à 4 autres évolutions d'ailleurs, ce genre de choses. Et voilà. Et du coup, on a terminé. Et on est premier, on a fait un perfect, hein, 18 points, et du coup on va confirmer. Et j'espère qu'on va pouvoir vous montrer ce qu'on a débloqué là, si on débloque quelque chose. Si on débloque rien, bah écoutez, on s'arrêtera sur une déception. Donc 0 sur 20 pour le jeu évidemment. Mode de jeu déverrouillé, mode circuit, le Cannon Fire Route 1, on a débloqué le Fire Route 2, le Metro Route 1, on débloque pas mal de choses d'un coup, ça c'est bien. On a le trophée circuit classé. Et bah c'est tout. Donc on a débloqué certains circuits. On peut voir les trophées remportés d'ailleurs. Permis rallye. Voilà, on a le permis rallye, ça c'est bien. Et on a débloqué quoi? On a débloqué... ah voilà, non c'est juste ça en fait. On a la liste des trophées au fur et à mesure. Record on les a là, trophées on les a là. Quitter, on revient en vue principale. On revient en vue principale. Et on va juste voir ce qu'on a débloqué. En termes de circuit, donc on va se mettre avec le bouton start à chaque fois. Démarrage rapide, on va prendre une autre voiture, comme ça on va un petit peu faire une dernière. On va faire un petit rallye cross. Ouais, on va faire un niveau de rallye, ça c'est cool. Alors on a débloqué quoi? Est-ce qu'on a débloqué des choses? Ah, on a rien débloqué à ce niveau?
Ah, c'est dommage. Je pensais qu'on avait débloqué des nouveaux tracés. Ah, ça peut être en mode circuit alors. Le Grand Canary, ouais, d'accord. Ça, c'est toujours bloqué. Ah non, c'est ça qu'on a débloqué. Le métro Route 1, le Cannon Fire 2 et Cannon Fire. Ah, bah, c'est ce qu'on a fait en fait dans le mode. Dans le mode solo en fait, hein, donc on n'a pas débloqué grand chose. Ouais, du coup, je vais pas vous montrer grand chose de neuf, c'est malheureusement ça le problème. Est-ce qu'on pourrait faire sur une voiture? Non, il n'y a pas grand chose. Bah écoutez, bah, on va s'arrêter là-dessus, finalement, puisque je vais pas pouvoir montrer quelque chose d'intéressant facilement après, donc voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais me répéter, mais c'est un jeu plutôt pas mal, c'est pas le jeu de l'année, hein, mais il y a de quoi s'amuser un petit peu, puis alors, il y aura pas mal de jeux à débloquer, donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde!